Top. Bon. L'épreuve de faire face à l'épreuve. L'épreuve de soi à soi. L'épreuve qui ne regarde que soi. Le début du dialogue avec soi-même. Que vas-tu faire avec cela? Se pacifier le cœur. Utiliser ses qualités pour entrer en paix. Utiliser ses qualités pour entrer en paix. Quand tu as de la peur, que fais-tu pour solutionner? L'exigence personnelle. Où sont les blessures physiques et mentales? La prise en charge de soi par soi. Eux, cet autre nous, risquent leur vie pour avoir les droits élémentaires. Comment taire la hache en colère de ceux qui la déterrent? L'extrême droite ne passera pas dans ce pays, elle n'a rien à faire ici. Ici, la Belgique, Bruxelles, ça vient du latin Bruxella. Bruxella, marécage. Dans un marécage, toutes les plantes se rencontrent. Il serait temps que les dirigeants de ce pays, la Belgique, mon pays, cessent de baisser le regard lorsqu'ils regardent les conventions des droits de l'homme. Où sont les blessures? Comment soigner la mort? Pourquoi attendre que le pire advienne? La conscience qui prend conscience, les émotions, le cœur. Que vas-tu faire avec ça? Ça, je dis ça pour à l'intérieur. Reconnaître ses qualités. Mes frères, vous avez des qualités. Ikhwan, Allah ma'akoum, Dieu est avec vous. Dieu est avec les justes et les patients. Savoir sa solitude, je crois qu'ils le savent là derrière, dans l'église de Beguinage, en 2021. Il y a des gens qui risquent leur vie pour avoir le droit à la carte d'identité. Une carte d'identité. Est-ce que ça coûte si cher que d'être juste avec son peuple? C'est un message personnel que j'adresse aux dirigeants, à ceux qui décident d'afficher de belles affiches provenant le changement, l'avenir. Le changement, c'est maintenant, comme dirait l'autre enfoiré français. C'est maintenant qu'il faut changer les mœurs pour que l'autre moi, qui est en l'autre, devienne mon frère pour de vrai. Pour que ces gars puissent avoir le droit à manger et à boire comme tout le monde. Avidamen, avidagrom. Apporte de l'eau, apporte du pain. De l'eau et du pain contre rien du tout. Ils ne sont ni là pour remplacer, ni pour voler. Ils sont là parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il serait temps que ça agisse. Les ambulances commencent à arriver. Les morts commencent à pleuvoir. Bientôt il va pleuvoir. Demain il pleut à Bruxelles, paraît-il. Et si demain il y a des morts en plus, ce sera sur la conscience de vous les dirigeants. Et moi c'est un modeste quidam qui parle maintenant devant cette caméra dont j'ignore tout. Apprendre à savoir ce qui se passe dans notre monde. Nous habitons la plus belle capitale d'Europe. Il s'agirait que le soir, de par les actes qui seront commis. Une ambulance vient d'arriver. Il y a quelqu'un qui tombe dans le coma. Parce qu'il a décidé de revendiquer ses choix. Le choix, le droit de vote. Le droit d'être ici, nous voterons, nous saurons pour qui voter le jour venu. Parce que ce qui se passe ici maintenant, c'est un meurtre en direct. L'État tue ses concitoyens. Parce que chaque fois qu'un sans-papier achète du tabac qui va le tuer, ben ce tabac, il paye la TVA. Et c'est depuis 5 ans, ça fait 5 ans qu'il paye des TVA. Il paye des taxes. Il paye des taxes, il paye la TVA. C'est 21% pour de marge de bénéfice pour l'État. L'État accepte la TVA des sans-papiers
mais n'arrive pas à comprendre. Il serait temps d'ouvrir les yeux. Fermez vos yeux, écoutez vos cœurs, vous les dirigeants. Fermez les yeux, écoutez votre cœur. Si votre cœur, à son heure la plus digne, pense que l'indigne est intolérable dans ce pays de démocratie qui est le mien, je vous le demande humblement, ouvrez les yeux à nouveau pour comprendre. Comprendre, c'est agir. Si on ne fait rien, il n'y a rien qui change. Voilà, moi c'était Mokhtar le modeste qui parle devant ces quelques dames qui espèrent un geste. Le roi des Belges pourrait faire quelque chose pour un geste du roi des Belges serait déjà beau. C'est beau de critiquer Zemmour si on l'accepte dans le pays en théorie. L'extrême droite a la haine comme moteur et espère avoir le pouvoir. Si nous acceptons de laisser les choses se faire comme elles se font, eh bien là, mesdames et messieurs, je suis dramatiquement devant le... comme ça regarde cette dame effrayée. Voilà. Il est temps d'agir. Stop.